questions, quoi. Il se pose forcément, se pose plein de questions quand on fait une course comme ça. Donc, j'avais pas forcément la réponse à sa question. Par contre, j'avais un minimum l'expérience que j'avais eue et donc je pouvais l'aider à construire un petit peu sa philosophie et sa façon de travailler. Donc ça, c'était vraiment un peu en amont, mais ça a duré assez longtemps, parce qu'on a navigué ensemble pendant plus de 2 ans. Ouais, ça lui a permis de se préparer. Et après, donc, pendant la course, je pense que vous l'avez compris aussi, on est en effet en interaction avec le bateau, c'est-à-dire qu'on a le droit de parler avec le bateau, on a le droit de s'appeler. Et sur l'Arc Alpine Challenge, on avait le droit aussi au routage météo, c'est-à-dire qu'à terre, il y a une équipe qui regarde, qui analyse la météo, c'est de comprendre ce qui va se passer, qui peut aider Tom sur l'eau à lui dire qu'il faudrait mieux aller dans cette direction ou dans cette direction. Moi, j'étais partie prenante, c'est-à-dire que je faisais partie de cette équipe de routage. Déjà, je l'aidais à trouver la bonne trajectoire. Et pour répondre à la question de l'écran et de la communication, donc on pouvait s'appeler, on s'envoyait aussi des messages par écrit, donc toujours pareil, surtout principalement à travers cette équipe qui fait la météo. Et on avait toutes les informations du bateau qui arrivaient donc sur le téléphone, sur mon ordinateur. Donc en fait, quand j'étais connecté sur Internet, j'avais vraiment les informations du trimaran quasiment en permanence. Toutes les minutes, ça se rapprochait, je savais le vent qu'il y avait, la vitesse du bateau. Et si Tom voulait nous poser des questions, il pouvait le faire en direct. Donc c'est assez surprenant comme les bateaux aujourd'hui sont connectés en permanence. Faire le tour du monde en trimaran, poussé par le vent, aller tout droit devant. Faire le tour du monde en trimaran, avec François Gabart, on tiendra bien la barre. Voyager sur l'océan à la force du vent, échapper à la colère de tous les éléments, voir les baleines bleues sauter au-dessus de la mer et les vagues du Pacifique que le soleil illumine. Faire le tour du monde en trimaran, poussé par le vent, aller tout droit devant. Faire le tour du monde en trimaran avec François Gabart.